Bonjour à tous, je vous laisse le temps de choisir votre carte parmi les quatre qui sont présentes ici et maintenant. À vous de choisir. Vous avez choisi la première carte qui est la mariée d'automne. Beauté, guérison, gentillesse. Vous avez une grande énergie et les personnes qui vous entourent le perçoivent en raison de l'aura qui émane de vous. Faites cependant attention aux vampires psychiques qui assègent votre énergie quand ils vous voient briller. Il est de moments où vous avez besoin de faire une pause dans votre course frénétique vers le succès pour prendre soin de vous. Ceci est justement l'un de ces moments. Deuxième carte, le duc sans couleur. Beauté, séduction, superficialité, indifférence. Là où règne le silence, il est plus facile de faire entendre la voix. Là où règne le vide, il est plus facile de le remplir. La nature masculine de l'univers déteste le vide et fait tout pour le remplir. Mais à elle seule, elle est dénuée de sens car elle ne possède pas de profondeur. Troisième carte, l'immortelle Ophélie. Se laisser aller au désespoir, détachement émotionnel. Le sentiment de désespoir et de solitude peut être écrasant. Pour autant que vous vous efforciez de toutes les manières possibles de chasser vos émotions négatives, vous ne réussissez pas à vous en débarrasser. Il est des moments où vous devez vous consacrer un peu de temps pour réévaluer le point où vous êtes arrivé. Cette carte évoque des émotions fortes. Vous aurez besoin de vous rendre dans un endroit tranquille pour élaborer tout ce qui se passe autour de vous. Quatrième et dernière carte, la joie de Minute. Tristesse, regret, amour. Vous éprouvez un sentiment de tristesse et vous pourriez vous sentir vulnérable. Si vous ne faites pas partie du groupe, alors le moment est peut-être venu de chercher de nouveaux amis et de découvrir de nouveaux lieux de rencontre pour pouvoir créer de nouveaux rapports sociaux. Votre vie étant caractérisée par la présence de fortes figures féminines susceptibles de vous guider et de vous influencer. C'est maintenant que vous devez vous adresser à elles afin qu'elles vous soutiennent.